Bonjour, bienvenue chez Soto Pancake Cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer une sauce très simple à la base de sauce soya qui est vraiment très pratique. Ça s'appelle Cho Kanchan. Je l'ai nommée sauce soya vinaigrette. On va commencer tout de suite. 5 cuillères à soupe de sauce soya, 3 de vinaigre, 2 de jus de citron, 1 poudre de paprika, 1 huile de sésame, 1 mélasse de grenade et 10 g de ciboulette finement hachée. Et la dernière chose, c'est sésame grillé et bien concassé, 2 grandes cuillères à soupe. Et les mélanger bien et laisser un moment pour que les poudres de paprika gonflent dans cette liquide. Vous pouvez même garder plusieurs jours dans le frigo. Et voilà, c'est déjà fait. C'est vraiment très, très simple, hein? Et maintenant, je vous montre avec quoi on peut utiliser cette sauce. Sur les asperges blanchies, par exemple, la poulette savait très bien faire, alors je ne vais pas vous montrer les détails. Et voilà, après 3-4 minutes de cuisson, les asperges, elles sont bien cuites, très jolies. Et je mets la sauce soya vinaigrette par-dessus. À la place de mayonnaise, par exemple, pour changer un peu. Et comme ensuite, ça. Piment de patron bien grillé comme il faut. Et hop, la sauce par-dessus. Et un avocat, c'est la même chose. Maintenant, c'est le tofu. On va bien essuyer de l'eau et on va couper en 8. Ça, c'est le tofu mitrolié bien doré les deux côtés. C'est beau. Et la sauce par-dessus. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Moi, je vous retrouve une autre fois avec une autre recette. À tout bientôt. Merci beaucoup.